Regardez. Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un mot de notre sponsor Burga. Burga, c'est une marque européenne qui fait des coques de téléphone portable, des housses d'ordinateur, des gourdes et bien d'autres produits. Les coques sont à la fois belles et super solides. Chez Burga, tu trouveras des designs uniques qui ne s'estompent pas, ne se décollent pas. Les matériaux résistent aux chocs, aux rayures. Les bords sont légèrement surélevés pour protéger ton écran et aussi l'appareil photo à l'arrière. Burga, je connais depuis un moment maintenant et toutes mes coques viennent de chez eux. Je fais tout le temps Tomber mon téléphone. Donc, j'ai besoin d'une protection qui tienne la route, mais aussi d'un design que j'aime et qui ne s'abîme pas. Celles-ci, par exemple, je les utilise depuis presque deux ans. Elles sont intactes. Il n'y a vraiment aucune rayure. Enfin, on dirait qu'elle sort du paquet. Et je te montre aussi les nouveaux modèles que j'ai choisis pour cette année. Alors, je trouve que ça fait celui-ci très automne. Et ce modèle-là que j'aime particulièrement parce qu'il y a une, un petit anneau derrière et je peux pas m'en passer. Burga, ils ont plein de designs, Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme je le disais, il y a aussi d'autres produits comme des gourdes, alors ça c'est celle que j'ai choisie, alors je trouve que ça fait très Bridgerton, il y a aussi des protections d'ordinateur, des coques pour AirPods, des carnets de notes, bref, je te laisse découvrir leur gamme de produits et bénéficier de l'offre du moment. Si tu achètes 4 coques, tu n'en payes que 2, et avec le code promo SARAX5, tu obtiendras 15% de réduction en plus, et c'est valable sur tout le site. Et puisque c'est Halloween, dès lundi 28 octobre et jusqu'au 3 novembre à minuit, tu peux bénéficier de 25% de réduction sur tout le site. Allez pas belle la vie, clique sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé pour bénéficier de cette offre qui ne va pas durer pour toujours donc fonce. Aujourd'hui, on est dans l'ouest de l'état du Missouri, sur la frontière avec l'état du Kansas, à Kansas City. C'est la plus grande ville du Missouri en termes de superficie et en termes de nombre d'habitants. La ville est connue pour sa gastronomie, barbecue, bière artisanale pour les amateurs. Et la ville est aussi connue pour sa scène artistique florissante et son héritage jazz. Kansas City bénéficie d'un climat assez doux, sauf en hiver, au mois de janvier, où se passe notre affaire. La température maximale est de 5 degrés et ça descend jusqu'à moins 5 degrés. Au nord de la ville, on trouve le quartier de Northland, un quartier résidentiel, calme et tranquille. Et à Northland se trouve le quartier résidentiel sécurité, The Coves. Et c'est précisément là que commence notre histoire, au numéro 5200 de la 83e route Nord-Ouest Terrasse. Le 7 janvier, un groupe d'amis se retrouve pour débriefer du dernier match de la saison de la Ligue nationale de football, autrement connue sous l'acronyme NFL. Et on parle ici de football américain. Les Kansas City Chiefs, l'équipe de cœur de nos amis, affrontent les Los Angeles Chargers. Ricky, David et Clayton sont habillés aux couleurs de leur équipe sous leur gros manteau et ils se retrouvent chez un ami commun. Les rues sont couvertes de neige, les bruits de la ville sont étouffés. En arrivant devant chez leur ami, les trois hommes se garent dans l'allée au plus près de la maison. Ces trois hommes sont des amis d'enfance. Ils grandissent ensemble à Kansas City, ils se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils ont même été à l'école ensemble au lycée Park dans le même quartier de Covs. Ricky Johnson a 38 ans, il est père de trois enfants, il est très proche de ses trois filles, il ne rate pas une occasion de passer du temps avec elles. Il dirige l'entreprise créée par son père, Johnson's Construction, c'est un passionné de sport, surtout des sports d'équipe et de ballon. David Harrington, 37 ans, il est très sociable et altruiste. Un jour en allant au travail, il passe devant un véhicule arrêté sur le bas-côté, la voiture est en feu, il n'hésite pas une seconde, il aide le conducteur et son chien à sortir et à se mettre à l'abri. Son courage sera même relaté dans le journal télévisé de Kansas City le soir même. C'est pas une célébrité locale, mais presque. C'est pas tout le monde qui passe au JT. David, quant à lui, c'est un homme travailleur et déterminé. Il est entrepreneur en revêtement de sol ou solier, d'après Google, on peut dire solier. Il est en couple depuis 17 ans avec sa petite amie Laurie, dont il a presque adopté les enfants. Clayton trente 36 ans, il est le plus sportif d'entre tous. Il pratique plein de sports différents. Il fait aussi bien du vélo que du snowboard, du skate, du surf, de la moto, rien n'arrête. Lui aussi, c'est un homme travailleur et il est aussi dans le revêtement de sol. Plus jeune, il prend quelques mauvaises décisions, rien de trop grave, ça va notamment le mener à perdre son permis de conduire, mais aujourd'hui c'est un homme sur la bonne voie, il veut réparer ses erreurs et remettre sa vie sur les rails. Il est fiancé à une femme qui s'appelle April et il est papa de plusieurs enfants qu'il adore. Le dimanche 7 janvier 2024, David Clayton et Ricky sont invités chez leur ami de longue date, Jordan Willis, pour regarder le match des Kansas Chiefs. Tous partagent un intérêt commun, ils sont des grands fans de l'équipe de football de Kansas City, les Chiefs. Ce soir-là, le match se joue au stade SoFi à Los Angeles. Ils ne peuvent pas le voir en direct, mais ils décident de se retrouver après pour débriefer. À 18h30, les Chiefs gagnent, ils battent les Chargers 13 contre 12. Le match est serré, mais c'est la victoire, en tout cas pour notre groupe de potes à Kansas City. Ils ont de quoi parler, ils sont super contents de se retrouver. David, Clayton et Ricky arrivent un peu après l'annonce des résultats chez Jordan. Vers 19h, un autre ami les rejoint, il s'appelle Alex Wimmerly. Ils sont tous amis de longue date, ils se connaissent tous depuis plus de 20 ans pour certains, et ils ont plein d'amis en commun. Et évidemment, en bons copains qu'ils sont, les gars n'arrivent pas les mains vides. Ils prévoient deux packs de 30 bières, ça fait à peu près six bières par personne. Et puis s'il en reste, c'est pas perdu, ce sera pour la prochaine fois. Ils se retrouvent régulièrement chez Jordan pour faire la fête. Jordan habite seul, il n'a pas d'enfants, il a une grande maison, donc il a de la place pour garer les voitures de tout le monde dans l'allée. C'est bien pratique d'aller chez lui pour faire la fête. Et ce soir-là, on a de quoi fêter. L'équipe a gagné, c'est la fin de la saison. À minuit, Alex s'en va, on est dimanche soir, il bosse le lendemain, il est temps de rentrer pour lui. La fête commence à s'apaiser, Jordan, David, Clayton et Ricky sont installés dans le canapé, ils regardent Jeopardy. Jeopardy, c'est un jeu télévisé américain et le concept, c'est un quiz inversé. On donne au candidat une réponse et donc on doit identifier la question. Par exemple, ce produit révolutionnaire lancé en 2007 a remodelé les communications et la technologie mobile. Et la réponse que devrait donner le candidat, c'est qu'est-ce que l'iPhone Ce jeu télévisé est très populaire aux USA, il est toujours diffusé depuis son premier épisode le 30 mars 1964. Donc quand Alex s'en va, la soirée est plutôt calme et nos quatre amis d'enfance sont dans le salon en train de regarder Jeopardy. Le lendemain, un cousin de Clayton qui s'appelle Alan l'appelle mais il ne parvient pas à le joindre et ça l'embête beaucoup parce que la veille, le dimanche matin, ils ont travaillé ensemble sur un chantier et Alan s'est blessé le dos. En début de soirée, vers 19h30, Clayton appelle son cousin et lui dit qu'il l'a vu avec son pote David avec qui il passe la soirée. Donc ils vont tous les deux reprendre la suite du chantier dès lundi pour laisser à Alan le temps de se rétablir. Mais lundi arrive, le client appelle Alan pour savoir à quelle heure les artisans comptent arriver. Clayton et David ne sont toujours pas sur place et le client n'a pas réussi à joindre Clayton. Alan essaie à son tour d'appeler son cousin, mais à chaque fois le téléphone sonne dans le vide. Il tombe sur la messagerie. Il essaie le portable de David, mais pareil, silence radio. Alan commence à s'agacer, ça la fout mal vis-à-vis -vis du client, mais il se dit que c'est pas le genre de Clayton de faire la grasse matinée alors qu'il doit travailler. Alan appelle alors la fiancée de Clayton, peut-être qu'elle. Elle saura où il est, mais elle non plus n'a pas de nouvelles. Elle lui dit qu'avec la neige qui est tombée et la soirée probablement arrosée, il a dû rester dormir chez Jordan. Ils ne vont pas tarder à avoir des nouvelles, elle en est sûre. Mais les nouvelles n'arrivent pas. Ni Clayton, ni David, ni même Ricky et Jordan ne répondent. Des membres de leur famille se rendent chez Jordan dans le quartier de Coves. Les voitures des garçons sont garées dans l'allée et les proches se disent que les hommes sont donc dans la maison. Ils tambourinent à la porte d'entrée, ils appellent les téléphones, ils crient leur prénom aux fenêtres, mais aucune réponse. À la fin de la journée, personne n'est parvenu à les joindre. Rien de toute la journée. Une première nuit passe, à mi-chemin entre la colère et l'angoisse. Les proches sont surtout dans l'incompréhension, parce que ça ne ressemble à aucun des copains de ne pas donner de nouvelles. Ils envoient des messages sur WhatsApp, sur Facebook Messenger, mais toujours rien. Ils tentent de joindre Alex, qui lui va répondre. Il leur dit qu'il a quitté la soirée la veille aux alentours de minuit, mais que tout semblait bien aller. Alex tente de joindre Jordan à son tour, mais comme les autres, il n'obtient pas de réponse. Le lendemain, le mardi, deux jours après la soirée, on se dit que ça suffit. Comme temps de récupération d'une gueule de bois, les hommes ne peuvent pas se cacher chez Jordan indéfiniment. Et puis les proches commencent maintenant à vraiment s'inquiéter. Ils veulent des réponses. Ils se rendent à nouveau sur place et rebelote, on tambourine à la porte pendant plus de 20 minutes. On crie les prénoms, on rappelle les téléphones, mais toujours aucune réponse. Vers 21h, la fiancée de Clayton, April, commence à avoir un très mauvais pressentiment. Elle se rend sur place à nouveau, elle frappe à la porte, encore et encore, aucun bruit, pas même une lumière, personne ne répond. Elle cherche à entrer dans le jardin de la maison, mais il est entouré de palissades en bois et elles sont très hautes. Elle ne peut pas entrer par là et elle ne peut pas non plus voir ce qu'il se passe. Elle a alors une idée et elle ne voit que ça pour accéder à la maison. Elle entre par effraction chez Jordan. Elle brise la fenêtre du sous-sol, elle pénètre par là à l'intérieur de la maison et elle remonte l'escalier de la cave pour accéder au rez-de-chaussée. Elle appelle Jordan mais encore une fois c'est le silence. Elle fait le tour de l'étage, elle ne remarque rien d'anormal, elle passe devant une baie vitrée qui donne sur le jardin et quelque chose dans le jardin attire son regard. Elle plisse les yeux pour mieux voir et elle a un geste de recul. Elle n'en croit pas ses yeux, elle est horrifiée. Elle croit voir une silhouette habillée aux couleurs des Kansas Chiefs, tout en rouge, assise dans un fauteuil de jardin sous le porche. Elle appelle tout de suite la police. Un peu avant 22h, des officiers du département de police de Kansas City arrivent sur place. À leur tour, ils parviennent à accéder au jardin et ils confirment très vite la peur d'April. C'est bien une silhouette humaine qu'elle a vue sous le porche, assise dans le salon de jardin comme si la personne prenait l'air. Mais on est au mois de janvier. Dans le Kansas, les températures passent en dessous de zéro la nuit. Et l'homme en question, c'est David. Sa mort est confirmée. Bouleversé et choqué par la vue du cadavre de David, April ne remarque pas immédiatement que David, ben il n'est pas seul. Les corps de son fiancé, Clayton, et leur ami Ricky, gisent également dans le jardin par terre. Les trois hommes semblent avoir succombé au froid. Voilà pourquoi ils ne donnent pas de nouvelles à leur famille et qu'ils ne rentrent pas chez eux depuis deux jours. Mais David, Clayton et Ricky, ça fait trois. Alex, on le sait en vie puisqu'il a quitté la fête plus tôt, mais il nous en manque un. Où est Jordan, l'hôte de cette fête qui a tourné à la tragédie? Et eh bien, Jordan, il est à l'étage, dans cette même maison. En voyant les gyrophares des véhicules de police et des ambulances, il descend. Il va à la rencontre des policiers en sous-vêtements, un verre de vin vide à la main, et il demande ce qu'il se passe et ce que font les enquêteurs et le secours chez lui. Les policiers lui annoncent que le corps de l'un de ses amis a été retrouvé dans ce jardin. À ce stade, seul le corps de David est découvert. Les corps de Clayton et Ricky suivent de très près. Jordan semble atterré. Interrogé par la police sur ce qu'il s'est passé depuis l'arrivée de ses amis le dimanche, il répond, il est tout à fait coopératif et il accepte même la perquisition de son domicile. Jordan Willis, pour dire quelques mots à son sujet, il a 38 ans au moment des faits, il est originaire de Virginie, il obtient son doctorat en biologie, chimie et physique à l'université Vanderbilt à Nashville, dans le Tennessee, en 2014. Il a auparavant étudié la chimie et la biologie moléculaire à l'Université d'État du Nord-Ouest du Missouri, à Maryville. En 2024, il travaille dans la recherche et il est spécialisé en recherche sur le VIH et sur les protéines. Son travail consiste à analyser et interpréter des données pour les essais de vaccins contre le VIH pour l'IAVI, l'Initiative internationale de vaccins contre le VIH. C'est une association à but non lucratif dont le projet est d'accélérer le développement d'un vaccin capable de prévenir l'infection VIH et le sida. Jordan est reconnu dans son domaine puisque ses recherches sur le VIH et aussi sur le Covid sont saluées dans le monde médical. En 2022, il reçoit un prix pour sa contribution significative au développement d'un vaccin contre le VIH. Il habite et travaille depuis sa maison à Kansas City, maison qu'il loue depuis plusieurs années. Il sort de chez lui pour socialiser quand ses amis ne viennent pas chez lui, et il sort également pour faire ses courses et pour faire prendre l'air à ses deux pitbulls, Sadie et Daisy, qu'il décrit lui-même comme les soleils de sa vie. On connaît désormais tous les membres de notre huis clos. Revenons à notre enquête. Sur place, ce 9 janvier à 22h passées, les enquêteurs prennent la déposition de Jordan et très vite, ils décrètent qu'il n'y a aucun signe évident d'acte criminel sur ou à proximité de la scène du drame. Ce soir-là, Jordan n'est ni inculpé ni arrêté. Le 10 janvier, les corps de Ricky, David et Clayton sont autopsiés. La police annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'avancée dans l'enquête tant que les résultats des autopsies ne seront pas rendus. Et le délai est très long, puisque ça peut prendre jusqu'à 8 semaines, notamment pour établir la toxicologie. Et là, l'enquête commence à stagner. Parce que finalement, on n'a pas grand-chose. Tout ce qu'on a, c'est la version de Jordan. Il raconte qu'il n'a absolument rien à voir avec la mort de ses trois amis. Le soir des faits, fatigué de la soirée, il s'endort sur le canapé vers minuit et demi. David, Clayton et Ricky sont toujours chez lui. Peu de temps après, Jordan monte se coucher dans sa chambre en laissant les portes déverrouillées. David, Clayton et Ricky sont encore là, Jordan ne sait pas du tout à quelle heure ils partent ou à quelle heure ils sortent de chez lui. Il travaille depuis sa maison et ses deux pitbulls sont chez son père, donc il ne sort pas non plus pour les promener. Il passe les deux jours suivants chez lui sans sortir. Il ne voit donc pas les corps sous son porche ni les voitures garées dans l'allée. Il apprend la mort de ses amis seulement quand April et la police débarquent chez lui le 9 janvier. Il n'entend personne frapper à sa porte parce qu'il met un casque anti-bruit et il allume le ventilateur quand il dort. Il ne regarde pas non plus son portable pendant ces deux jours. Apparemment, selon Jordan, il ne reçoit aucun message concernant la disparition de ses amis et il ne sait pas comment, pourquoi ou quand ses amis sont sortis de chez lui. Alex va évidemment être interrogé lui aussi, mais il n'a pas grand chose à dire lui non plus. Il raconte simplement que le soir des faits, il part à minuit. À ce moment-là, Ricky, David, Clayton et Jordan sont posés sur le canapé, ils regardent l'émission Jeopardy ensemble et tout va bien, rien à déclarer. Alex ne comprend pas ce qui a pu se passer ensuite pour en arriver à une fin de soirée aussi tragique. Par contre, et ça c'est intéressant, il dit qu'il envoie bien un message à Jordan quand tout le monde s'affaire à chercher David, Clayton et Ricky, donc contrairement à ce qu'il affirme, Jordan a bien reçu des messages les 8 et 9 janvier. Le 20 janvier, John Picerno, l'avocat de Jordan, envoie un communiqué de presse. Et là, on a un léger changement de version. Jusqu'à maintenant, Jordan a toujours dit ⁇ Quand je suis allé me coucher, les gars étaient encore dans le salon et ils sont restés là jusqu'à ⁇ Je ne sais pas quand ⁇ puisque je dormais. Et son avocat dit maintenant ⁇ La dernière fois qu'il les a vus, c'est quand ils ont quitté la maison avant que lui n'aille se coucher. Ce changement de version est quand même énorme. On passe de ⁇ Ils étaient là ⁇ à ⁇ Ils étaient partis de chez moi ⁇ ça devrait faire percuter la police, mais rien ne change dans l'enquête. L'acte criminel n'est toujours pas envisagé. Et ça, ça ne plaît pas aux familles. Et on comprend, pendant les deux jours où les trois hommes sont considérés comme disparus, ils sont nombreux à être allés devant la maison de Jordan, à tambouriner à la porte, à crier les prénoms des quatre hommes depuis la rue. Pendant ces deux jours, les familles bombardent les téléphones de Ricky, David Clayton et aussi celui de Jordan d'appels téléphoniques, de messages Facebook pour demander où se trouvent leurs proches. Ils ne reçoivent aucune réponse. Et la raison du silence de Jordan, c'est juste d'être endormi sur son canapé et de porter un casque anti-bruit pendant deux jours. Pour les familles, ça ne passe pas. Elles ne comprennent pas que Jordan soit resté silencieux. Est-ce qu'il était inconscient Gueule de bois, ça dure pas deux jours. Comment ça se fait qu'il n'ait pas consulté son téléphone On peut imaginer qu'il est en mode silencieux, mais ne pas le regarder pendant deux jours, même pas pour l'heure, même pas pour un jeu pendant que tu fais caca. Et en parlant de caca, il est allé aux toilettes avec son casque à chaque fois. Il n'a pas entendu son téléphone sonner ni celui de ses potes en bas. Le lundi et le mardi, il ne devait pas bosser, il n'a pas eu besoin d'un réveil, il n'a eu aucune occasion de passer devant la fenêtre qui donne sur son jardin, et on parle de la même fenêtre par laquelle April aperçoit David à peine quelques minutes après son arrivée dans la maison. Après, on ne connaît pas sa vie, et puis on n'a pas le plan de la maison, mais je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Jordan raconte aussi que ses chiens sont chez son père ce week-end-là et sans les chiens il n'a aucune raison d'aller près de la fenêtre ou des portes côté jardin. Il a peut-être juste zoné entre sieste et phase d'éveil à gérer la pire gueule de bois de sa vie et il est littéralement resté couché pendant deux jours. C'est possible mais comment en être sûr pour les familles, la version de Jordan ne fait aucun sens. Et en plus de l'incompréhension et de l'incohérence de toute cette histoire, la police reste muette pendant des mois. Et ça, ça doit être terrible pour les parents, les frères, sœurs, fiancés, petits amis, les enfants, les amis qui ont perdu leurs proches et qui restent sans réponse par rapport à ce qui leur est arrivé. Jordan reçoit alors un flot de messages, de questions, de demandes, de contacts, il est approché par les médias, sa maison est photographiée, filmée sans cesse, et le 21 janvier, il ferme tous ses comptes sur les réseaux sociaux et il quitte sa maison. Quelques jours plus tard, il se présente dans un établissement de santé et il demande à entrer en cure de désintoxication. Le 22 janvier, John Picerno, son avocat, revient sur sa déclaration. Il annonce aux médias que Jordan, en fait, il est bien allé se coucher quand ses amis étaient encore chez lui. Donc on revient à la première version de Jordan, la version qu'il donne à la police au départ. L'avocat rappelle que la police écarte l'acte criminel de l'enquête initiale et il souligne que Jordan aurait aidé ses amis s'il avait su qu'ils étaient en danger. Et voilà, enquête terminée, circulée, il n'y a plus rien à voir. La police déclare que l'enquête reste ouverte mais insiste sur le fait que l'affaire n'est pas considérée comme un homicide. Alors que les autorités déclarent qu'elles attendent les rapports du médecin légiste, Kelsey Gwartney, une médecin légiste du bureau de médecine légale du Kansas, déclare aux médias que leur enquête est finalisée depuis le 31 janvier, même si la cause ou le mode de décès n'ont jamais été révélés au public. Les proches des victimes ont le sentiment que leurs questions sont ignorées par les autorités et ils craignent que l'enquête n'aboutisse jamais. Ils ont peur de ne jamais savoir ce qu'il s'est passé ce soir-là. Comment une soirée entre potes autour de quelques bières à discuter foot se termine en un tel drame? Depuis la découverte des trois corps, le mystère demeure sur quand, comment et pourquoi les trois hommes sont morts, visiblement en même temps dans ce jardin enneigé. Et comme Internet n'aime pas le vide, et c'est à merveille le combler, évidemment de nombreuses théories sont discutées, et notamment sur Reddit. Le demi-frère de Ricky, Jonathan, pense que les faits connus ne semblent pas coïncider. Il dit qu'il reste ouvert à tout ce qu'il entend sur l'affaire, il ne se fait pas d'opinion sur les théories, mais il est à l'écoute. Il cherche des faits concrets qui lui permettraient de comprendre ce qui est arrivé à Ricky, mais aussi à David et Clayton. Il dit que, jusqu'à maintenant, rien de ce qu'il a appris n'est factuel et ne permet de savoir ce qu'il se passe ce soir-là. Mais c'est vrai que le fait que la police ne publie pas le rapport des autopsies et donc la cause officielle de la mort des trois hommes laisse la place à de nombreuses spéculations. On va faire ensemble le tour des théories que j'ai pu lire en faisant mes recherches et les questions qui vont avec. La première théorie concerne la cause de la mort des trois hommes. Encore une fois, comme les rapports d'autopsie ne sont pas rendus publics, la cause reste inconnue. Aux premières heures du matin du 8 janvier, au moment où David, Clayton et Ricky sont censés mourir, et là encore pas de certitude sans résultat d'autopsie, il fait moins 1 degré. La cause probable de la mort serait donc le froid, il serait mort de froid. Mais pourquoi les trois restent dehors à littéralement geler Pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas dans la maison en sentant le froid à travers leurs vêtements très légers, pas un Seuls d'entre eux ne porte un manteau et ils auraient bien senti un moins 1 degré, même bourré. Et s'ils se sont retrouvés enfermés dehors, pourquoi ne pas essayer de rentrer dans leur voiture pour se mettre à l'abri du froid Bon, les clés sont sûrement à l'intérieur de la maison. Ce qui nous amène forcément à nous poser la question suivante pourquoi sortir par cette température En plus, tous les trois, pourquoi ils n'essaient pas d'appeler Jordan ou leur famille au secours ou s'ils n'ont pas leur téléphone, pourquoi ils ne marchent pas jusque chez un voisin Comme le rappelle sa mère aux médias, David habite à 1,6 km de là. Les trois amis auraient toujours pu marcher jusqu'à chez lui et se mettre au chaud. On parle de seulement 15 minutes de marche, sous moins 1 degré, c'est largement faisable. Ça vaut toujours mieux de tenter le coup, même en vêtements légers, plutôt que de littéralement mourir de froid sur place. Jonathan ne peut pas croire sa théorie. Mon frère Ricky était un homme intelligent, dit-il, et il n'y a aucune chance qu'il soit juste mort de froid comme ça. Ils ont dû prendre quelque chose parce que trois hommes adultes ne meurent pas de froid, par seulement moins un degré, avec seulement de l'alcool dans le sang. Il y a plus de choses à dire sur cette histoire. Fin de citation. Et c'est vrai que, sobre ou même avec quelques biens dans la tronche, on a du mal à croire que. Un seul, non, au moins un seul des trois n'ait pu essayer d'empêcher ce drame ou essayer de se sauver lui-même. Ce qui nous amène à la théorie numéro 2. Le 1er février 2024, soit environ trois semaines après la mort de David, Clayton et Ricky, un rapport préliminaire d'autopsie est publié par le Bureau de médecine légale du Kansas. Ce rapport correspond aux résultats des analyses toxicologiques des corps des trois hommes. Et ces résultats sont assez surprenants, puisqu'on trouve un peu d'alcool mais rien de grave. Du THC, donc ça a fumé un peu de cannabis, un peu d'herbe thérapeutique, ou ça a peut-être croqué des nounours magiques. On retrouve aussi de la cocaïne, mais encore une fois, pas en excès, donc rien de très grave si je puis dire, ou en tout cas rien qui n'explique la situation. Ce qui est grave par contre, c'est qu'en plus de ça, la toxicologie des trois hommes indique qu'on retrouve dans leur organisme une dose choquante de fentanyl. Le fentanyl, c'est un opioïde synthétique super puissant. Au passage, je te recommande l'incroyable série Netflix Painkiller, un drame inspiré de faits réels qui raconte la naissance de la crise opioïde qui ravage les États-Unis. Depuis quelques années, l'utilisation du fentanyl est détournée en dehors d'un besoin médical comme beaucoup d'opiacés en réalité. Le fentanyl n'est plus seulement utilisé pour la gestion de la douleur, il est consommé à des fins récréatives. Mais sa puissance et évidemment tout ce qui va avec le principe d'un marché noir, des produits... Aux recettes douteuses, des dosages qui varient selon les fournisseurs et aussi l'accoutumance, rendent ce médicament particulièrement dévastateur. Selon le Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies, le CDC, 107 941 Américains perdent la vie en 2002 à cause des drogues. Le fentanyl et autres opioïdes synthétiques sont responsables d'environ 70% de ces décès. On retrouve dans l'organisme de Clayton, Ricky et David une dose trois fois supérieure à la quantité considérée comme létale trois fois supérieure. La DIA, la brigade des stupes aux États-Unis, considère qu'une dose mortelle de fentanyl est de 2 mg en fonction de la corpulence, de la tolérance et de l'utilisation passée de la personne. Pour te donner un visuel plus parlant, c'est l'équivalent de 10 à 15 grains de sel. Et nos trois copains morts de froid ont donc 10 fois cette dose létale dans leur système. Et là, on se dit, jackpot, pas besoin de chercher plus loin. Les gars se sont fait une sacrée fête entre copains. Ils décident de prendre de la drogue. Ils prennent du fentanyl et pas de chance, ils en prennent sans savoir comment l'utiliser et ils font une overdose. Mais les familles coupent tout de suite court à cette théorie. Aucun des trois ne serait du genre à prendre du fentanyl. Il peut leur arriver de consommer du cannabis ou de la coco à des fins récréatives, mais ils ne toucheraient jamais au fentanyl. Ils savent à quel point c'est dangereux et en plus ils ont tous des proches, une famille à qui ils tiennent et qui compte sur eux. Impossible selon les familles que les trois hommes aient délibérément pris du fentanyl. Ce ne sont pas des toxicomanes. Ou en tout cas pas à ce point. Ce qui nous amène à nos trois théories suivantes. Il pourrait s'agir d'un problème avec la drogue, mais du coup, pas le fentanyl, plutôt la cocaïne. Est-ce que la coco que les hommes prennent à des fins récréatives contient du fentanyl Ils ne l'auraient su que trop tard. Ils font leur soirée, ils prennent leur coco, comme ils ont l'habitude de le faire, ils se sentent mal, et évidemment, les effets seraient différents de ce qu'ils attendent. Ils sortent prendre l'air pour essayer de faire passer les effets, et là, ou bien c'est l'overdose qui les emporte, ou bien ils perdent simplement connaissance et ils meurent de froid. Autre théorie, il pourrait s'agir d'un accident. Vers minuit et demi, Jordan va se coucher. David, Clayton et Ricky ne sont pas fatigués et ils veulent peut-être continuer à faire la fête. Ils sont probablement un peu alcoolisés, mais encore une fois, rien d'alarmant. Ils fouillent un peu dans la maison et ils tombent sur la cachette de Jordan. On sait qu'après le décès de ses trois amis, Jordan se rend en cure de désintoxication. Il est possible qu'il soit, lui, contrairement à ses copains, potentiellement toxicomane. Ils tombent donc sur cette substance, ils pensent trouver une drogue qu'ils connaissent, peut-être des amphétamines, mais vraiment pas de chance puisque c'est du fentanyl et la posologie n'est pas du tout la même. Ils prennent une dose beaucoup trop importante, ils commencent à se sentir mal et, comme pour la fin de la théorie précédente, ils sortent prendre l'air et l'overdose les emporte ou bien ils meurent de froid. Il pourrait aussi s'agir d'un homicide involontaire. C'est Caleb, un cousin de Clayton, qui nous permet d'imaginer cette théorie. Il dit aux médias que dans le groupe, c'est Jordan qui a pour habitude de fournir la drogue à ses amis pour leur soirée. Et ses potes le surnomment même ironiquement le chimiste. Et ce surnom marche sur tellement de niveaux. Bah déjà, il est littéralement chimiste de profession. Et en plus, il fournit des substances aux copains. Mais en plus... On découvre qu'il lui est arrivé de synthétiser lui-même des drogues ou des médicaments entre gros guillemets pour ses amis. Hashtag Walter White. Quand un pote a un coup de blues, un peu de stress, ou qu'il se sent timide, renfermé, Jordan va lui concocter des remèdes miracles. Caleb se demande si son cousin Clayton et ses amis David et Ricky servent ce soir-là de cobaye sur une nouvelle création pas encore totalement mise au point de Jordan, et ça a mal tourné. La mère de David, Jennifer, revient sur cette théorie et elle dit ⁇ Si quelqu'un sait ce qu'ils ont consommé cette nuit-là et ne prévient personne, cette personne devrait être tenue responsable. ⁇ Et ça, ça nous amène à notre théorie suivante, la sixième, plus dramatique que les précédentes. L'homicide involontaire. Les familles ne peuvent pas se retirer de la tête que quelque chose a dû se passer et que tout n'a pas été dévoilé sur les événements de cette soirée. Et là, on a deux accusés, deux potentiels suspects. C'est d'abord Alex qui est pointé du doigt, mais ça ne va pas durer longtemps. Il est pointé du doigt dans les premières semaines, quand son nom n'est pas encore identifié. Comme il est nommé partout le cinquième homme, c'est vrai que ça paraît suspicieux. Mais quand il est identifié, nommé dans la presse comme étant Alex Wimmerly, les soupçons retombent très vite, il témoigne auprès des autorités et il dit la même chose dans la presse. Il est parti vers minuit, tout le monde était encore réveillé, tout le monde était encore vivant. Il n'y a rien sur le net qui nous éclaircisse par rapport aux substances, donc à ce niveau, le mystère reste entier, en tout cas quand il s'agit d'Alex Soit il ne dit pas ce qu'il sait, soit il n'a rien vu et la drogue est entrée en jeu après son départ, donc après minuit. Alex fait appel à un avocat spécialisé en défense pénale, Andrew Talge, qui vient confirmer et prouver la version d'Alex. Évidemment, la personne vers qui se pointent tous les doigts, c'est pas Alex, c'est bien sûr Jordan. Toutes les incohérences de l'affaire le mettent en porte-à-faux. Il est le dernier à avoir vu David, Ricky et Clayton vivants. Il ne répond à aucun appel, aucun message des familles pendant deux jours. Il ne répond pas à la porte quand les familles viennent frapper pendant deux jours. Il ne voit pas ses amis morts dans son jardin pendant deux jours. Il ne voit pas les voitures de ses amis dans son allée. Pendant deux jours, il accueille pourtant les autorités quand elles arrivent sur place prévenues par April. Lui et son avocat avancent deux versions différentes. Avant de se mettre d'accord, il est addict et il est surnommé le chimiste parce qu'il produit et distribue des drogues à ses potes. Et après la découverte des corps, Jordan vide sa maison et se rend en cure de désintoxication, potentiellement en faisant disparaître toute preuve possible de drogue dans cette maison au passage. Preuve de drogue ou autre, mais je rappelle que la police fait une perquisition et ne trouve rien d'incriminant. Cependant, je rappelle qu'il a eu quand même deux jours pour euh, faire le ménage. Et bien que la police ne trouve pas de preuve d'un acte criminel, les familles ne sont pas du tout d'accord. La fiancée de David demande dans les médias "Je ne sais pas si Jordan leur a donné quelque chose, mais David n'était pas un toxicomane, il n'aurait pas pris ce genre de drogue. Et elle va plus loin. Selon elle, David a été assassiné. Les trois hommes ont été assassinés. L'oncle de Clayton va un peu dans le même sens. Il dit lui que les trois hommes décédés n'étaient pas des toxicomanes, mais des hommes responsables et travailleurs. Et s'il leur arrive de prendre de la cocaïne ou du cannabis à des fins récréatives, ils ne se seraient jamais attendu à ce que ce soit mélangé avec du fentanyl. Et encore moins à une si forte dose. La mère de David, elle, dit qu'elle voudrait que quelqu'un soit tenu responsable et selon elle c'est Jordan qui devrait l'être. C'était sa maison, c'est lui qui organise la fête, c'est lui qui reçoit ses potes, bref, toutes les accusations des familles se tournent vers Jordan mais il n'en est pas pour autant accusé. Par les autorités. Son avocat le défend et déclare, Jordan ne sait pas ce qui leur est arrivé et il ne les voit pas se diriger vers la porte d'entrée ni quitter sa maison puisqu'il dort. Il n'y a pas de discussion sur la suite d'une soirée, il n'est pas question de partir ou d'aller ailleurs, il n'était pas censé sortir. Fin de citation. Les familles attendent toujours des réponses, mais Jordan a plus rien à raconter. Alors, qu'aurait-il pu arriver C'est vrai qu'on a toujours autant de questions qu'au tout début de l'affaire. Est-ce que les trois hommes ingèrent la drogue à leur insu ou non Comment font-ils pour se traîner dehors avec une telle dose dans leur système Comment est-ce qu'ils obtiennent cette drogue Est-ce qu'ils se sont empoisonnés avec une si forte dose de fentanyl volontairement Est-ce une erreur de dosage dans une drogue faite maison Est-ce un problème avec la substance d'un fournisseur Pourquoi le dosage est-il si fort, dix fois la dose létale Est-ce qu'il est possible qu'après une erreur dans la prise de drogue, Jordan, plus sobre, voit ses amis mal en point, qu'ils paniquent et que sous l'empire de la drogue, il est cette réaction folle de les traîner dehors. Est-ce qu'une dispute éclate après la prise de la drogue Est-ce qu'ils sont punis au jardin Si c'est rien de tout ça, pourquoi et comment les trois finissent dehors dans le froid glacial alors que Jordan est sain et sauf au chaud dans sa maison. Peut-être qu'ils prennent tous la drogue à l'extérieur, ils sont tous à l'ouest, Jordan parvient à rentrer dans la maison tant bien que mal, les trois autres tombent dans les vapes dehors et ils meurent de froid. Ça pourrait expliquer les deux jours d'absence de Jordan après coup et son check-in en cure de désintoxication. Mais dix fois la dose létale, est-ce que c'est nécessaire pour une soirée foot entre potes. Et d'ailleurs, on n'a pas accès à la toxicologie de Jordan. On ne sait même pas si elle est faite dans les jours qui suivent le drame. Donc on ne sait pas ce que lui a pris ce soir-là. Peut-être qu'il attend que la drogue disparaisse en grande partie de son système et que c'est pour ça qu'il fait le mort pendant deux jours. Et c'est vrai que sans les résultats complets des analyses... Post mortem sans savoir si la cause de la mort est le froid ou la drogue c'est compliqué d'imaginer pouvoir retracer le fil de la soirée et donc comprendre ce qui a pu se passer pour en arriver à un tel drame. Peut-être que David, Clayton et Ricky sortent simplement fumer un joint. Pendant qu'ils sont dehors, Jordan s'endort. Les gars essaient de rentrer, mais ils n'y arrivent pas. Ils se disent qu'ils vont juste attendre qu'on leur ouvre la porte. Et ils ne sentent peut-être pas le froid les prendre. Ils s'endorment et ils meurent. Mais encore une fois, dix fois la dose létale de fentanyl, je m'en remets pas, c'est inexplicable. Neuf mois après ce drame, on ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé. Ni la police, ni les autorités du comté n'ont révélé les avancées ou les résultats de l'enquête, ou ne serait-ce que de l'autopsie. Et pourtant, ils doivent bien avoir quelque chose puisque les résultats du bureau de médecine légale ont été rendus. Les familles sont dans la tourmente et n'ont aucune idée de ce qui est arrivé à leurs proches. Le père de David déclare. Plus le temps passe, moins je m'intéresse à l'affaire parce que rien ne va changer. J'ai déjà dit au revoir à David. La théorie d'un acte criminel reste écartée par les autorités. Jordan n'est pas considéré comme suspect et le capitaine Jake Bechina du département de police de Kansas City assure qu'il ne représente pas une menace ou une préoccupation particulière pour la communauté à l'heure actuelle. Bon, il s'appelle quand même le chimiste, donc j'en suis pas si hein. Le mystère plane toujours autour de l'affaire qu'on surnomme Kansas 3, les trois du Kansas. Pourquoi les résultats complets des examens post-mortem restent scellés Les familles n'y ont même pas accès. Et on se demande pourquoi. Ils pourraient très bien leur être divulgués à eux seulement, ne serait-ce que pour leur donner un peu plus d'informations, un peu de soulagement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire. Alors, je fais très rarement des unsolved, des affaires non résolues, donc je compte sur toi pour euh, jouer aux apprentis enquêteurs avec moi et pour me donner ton avis en commentaire. Encore un grand merci au sponsor de cette vidéo, Burga. Je le rappelle, pour quatre coques achetées, tu n'en payes que deux et tu peux bénéficier d'une réduction supplémentaire de 15% sur tout le site avec le code promo SARAX5 et la réduction est de 25% sur la période d'Halloween du 28 octobre au 3 novembre. Fonce voir les coques pour téléphone et autres produits burga en cliquant sur le lien en barre de description ou en commentaire épinglé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine.